RDC. Bon, la dernière fois, on a vu les événements indépendants et la probabilité conditionnelle. Maintenant, aujourd'hui, on continue avec cette notion pour voir ce que c'est la formule de probabilité totale. Mais avant d'établir cette formule, il faut d'abord donner la définition d'une partition d'un ensemble. Bon, sans plus tarder, nous allons définir ce que c'est une partition d'un ensemble fini. Soit oméga un univers muni d'une loi de probabilité P, muni d'une loi de probabilité P. Maintenant, on dit que deux points B1, B2, jusqu'à Bn. Bon, les B1, B2, Bn sont des événements, puisqu'on parle d'un univers. On dit que B1, B2, Bn forment une partition de oméga lorsque les conditions suivantes sont réunies. Bon, première condition, il faut que ces événements soient différents de l'ensemble vide. Ça veut dire que BI différent de l'ensemble vide, quel que soit I, appartenant à 1, 2 jusqu'à N. Bon, deuxième condition, il faut que ces événements-là soient 2 à 2 incompatibles. Ça veut dire que l'intersection de deux événements quelconques soit différente de l'ensemble vide. Bon, soit égal à vide plutôt. BI inter BJ égal à l'ensemble vide, I différent de J, avec I toujours appartenant à l'ensemble des indices, 2 jusqu'à N, et J appartient à 1, 2 jusqu'à N. Bon, troisième condition, il faut que la réunion de tous ces événements soit égale à l'univers, c'est-à-dire que B1 union, B2 union, B3 union BN est égal à l'univers oméga. Voilà comment on peut définir une partition de l'univers. Sinon que le mot partition est un terme purement mathématique, mais ici on n'a pas défini la partition dans le sens général, mais dans le sens bien précis de la probabilité. Puisqu'au départ on a considéré l'univers et on a défini la partition par rapport à notre univers ici là. Bon, maintenant nous allons entamer la formule de probabilité totale en énonçant la propriété suivante. Formule propriété formule de probabilité totale. Maintenant, bon, on va toujours démarrer avec un univers, soit oméga un univers muni d'une loi de probabilité P, muni d'une loi de probabilité P. Et je vais considérer une partition de cet univers. Et soit
B1, B2, B3 jusqu'à Bn, une partition de oméga, de l'univers oméga. Maintenant, le problème que nous allons nous poser, c'est le calcul de la probabilité d'un événement A de l'univers, tout en sachant qu'il y a une partition qui existe bel et bien ici. Là. Donc, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule suivante, Deux points. Bon, maintenant, P2A est égal à P2A sachant B1 fois P2B1 plus P2A sachant B2 fois P2B2 plus, etc., P2A sachant Bn fois P2Bn. Et c'est ça ce qu'on appelle la formule de probabilité totale. Bon, maintenant, comment on a retrouvé cette formule? Nous allons essayer de faire une petite démonstration, par exemple, parce que dans l'exemple, nous allons essayer de nous inspirer à partir de là. Bon, une petite démonstration. Bon, maintenant, j'ai considéré un événement A. Bon, ça, c'est l'univers oméga. Bon, ça, c'est... On sait que la réunion des BI est égale à l'univers oméga. Ça, c'est oméga, pardon. Maintenant, je vais prendre un événement quelconque A, soit A qui est inclus dans oméga, nécessairement, puisque c'est une partie de l'univers. Donc, ça veut dire que A inter oméga est égal à A. L'intersection entre un événement quelconque et l'univers donne toujours l'événement A. Bon, maintenant, A inter oméga, ceci est égal à A inter. Comme oméga, d'après la définition d'une partition de l'univers, oméga n'est autre que B1 union B2 union jusqu'à union Bn. Bon, l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Donc, ceci est égal à A inter B1 union A inter P2 union jusqu'à A inter Bn. Bon, maintenant, ici, c'est A. Maintenant, le calcul de P de A, ces événements-là sont étant 2 à 2, c'est-à-dire A inter B1, A inter B2, etc., etc., étant incompatibles 2 à 2. Donc, la probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités égale P de A inter B1 plus P2A inter B2, plus, etc., plus P2A inter Bn. Maintenant, à partir de là, nous allons utiliser la propriété qu'on a vue la fois dernière sur la probabilité conditionnelle. Donc, P2A inter B1 est égal à P2A sachant B1 fois P2B1 plus P2A sachant B2 P2B2 fois P2B2 plus etc. plus P2A sachant Bn fois P2Bn. D'où la fameuse formule de la probabilité totale.
Bon, maintenant, pour expliciter bien cette formule, nous allons nous appuyer sur un exemple. Bon, exemple. Bon, considérons deux urnes, U1 et U2. Deux urnes, U1 et U2. Bon, U1 contient trois boules rouges et deux boules vertes. U2 contient deux boules rouges et trois boules vertes. Maintenant, une expérience aléatoire, une expérience aléatoire consiste à choisir une urne au hasard, et tirer une boule. Maintenant, la question que nous allons nous poser, quelle est la probabilité pour que la boule tirée soit rouge? On se pose cette question-là. Quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge? Maintenant, cette boule tirée, qu'on nous pose la question là, on ne sait pas d'où elle provient. Est-ce qu'elle provient de l'urne U1 ou bien de l'urne U2? C'est là où la fameuse formule de probabilité totale va intervenir. Bon, nous allons essayer de modéliser ce problème. Bon, maintenant, il y a deux expériences. Il y a le choix de l'urne. Ici, nous avons deux urnes, U1 et U2. On choisit une urne au hasard et on tire une boule. Bon, maintenant, comme il y a deux urnes, la probabilité de choisir U1 ou bien U2 est égale à 1/2 parce qu'il n'y a que deux urnes. Donc, P2 U1 égale à P2 U2 égale à 1/2. Bon, maintenant, je vais dessiner, je vais faire un petit dessin ici, là. Bon, pour désigner que ça, c'est U1 et ça, c'est U2. Bon, ici, bon, U1 contient 3 rouges et 2 vertes. Et U2 contient 2 rouges et 3 vertes. Bon, maintenant, nous allons voir la suite de l'exercice dans un instant.